C'est avec cet extrait de l'hymne national que marque la clôture de la semaine nationale de prière pour le dialogue national inclusif, la paix et la cohabitation pacifique, instaurée par l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad. Elle est couplée à l'Organisation internationale Évangile du réveil des églises du Tchad. Nous pouvons sans crainte affirmer aujourd'hui que le Tchad est en train de connaître une refondation, pour ne pas dire une renaissance. C'est une nouvelle saison qui commence. Une saison de réconciliation véritable pour une paix véritable. Église, moteur de paix au Tchad, c'est le thème retenu pour la prêche et la saison de prière des ecclésiastiques et pasteurs. Une semaine durant, l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad exhorte les fidèles à continuer à prier pour que la paix règne au Tchad. Le conseiller économique du Conseil militaire de transition, Hassan Bohet Diamos, a saisi cette occasion pour demander aux hommes religieux de conscientiser les fidèles sur la préservation des valeurs républicaines.